À partir du pub Cross Keys, dirigez-vous vers le nord, passez devant le bureau de poste, vous verrez un monument aux morts très bien entretenu sur le terre-plein triangulaire juste en face, et quittez le village en empruntant la route goudronnée. Après 200 mètres, la route croise une rivière. Marchez encore 10 minutes environ après la rivière, et sur votre gauche, juste en face de Gable Farm, qui est maintenant un lotissement, vous verrez la maison où j'ai vécu. La haie de fleurs jaunes a été arrachée et à la place se dresse un mur de conifères à croissance rapide. Difficile de voir à travers ce mur d'un vert presque noir, mais derrière le mur, visible par-dessus la grille qui est assez basse, se trouvent deux voitures. La première, une Jeep couleur argent, évoque l'aventure, la famille. L'autre, un petit coupé sport, évoque l'idée de faire la fête, de faire les magasins. Arrêtez-vous un instant devant cette maison. Essayez d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler de vivre là. Essayez de vous rappeler laquelle était ma chambre. N'ayez pas honte si, en toute honnêteté, debout, là, face à mon ancienne maison, vous ne vivez pas l'expérience émotionnelle à laquelle vous vous attendiez. Peut-être que la maison n'évoque en vous aucun souvenir. Ne vous inquiétez pas. Il y a une explication toute simple. Quand vous étiez enfant, vous ne vous êtes jamais arrêté devant ma maison comme un étranger pour la contempler. Vous alliez droit vers la porte d'entrée, l'ouvriez, grimpiez les escaliers en courant, couriez tout droit jusqu'à ma chambre, vous vous étendiez sur mon lit, à plat ventre, vous regardiez par ma fenêtre, vous voyez la ferme d'en face, vous voyez les arbres devant ma maison. Vous n'avez jamais regardé ma maison de l'extérieur, parce que quel genre d'enfant resterait planté là, à contempler comme ça la façade de sa propre maison, pour pouvoir se rappeler 30 ans plus tard à quoi elle ressemblait ? Il y a bon nombre de camps romains dans cette région, et alors ? J'emmerde les camps romains. Au fond de la vallée qui s'étend à vos pieds, tournant vers l'est, avec ses parois abruptes recouvertes d'une verdure ancestrale et de massifs de genêts, d'un jaune sans partage en avril, il y avait une route romaine. Toutes les routes romaines, voyez-vous, n'étaient pas droites. Certaines serpentaient. Certaines épousaient la courbe des vallées, découpée par la glace lorsqu'elles fondaient. Placez-vous sur l'arête. Regardez les ombres des nuages. S'il vous plaît, essayez de sourire. Je vois bien que vous avez pleuré. Pourquoi vous êtes-vous détourné de moi la nuit dernière ? Pourquoi avez-vous tourné votre visage vers le mur comme ça ? Je sais que vous ne faisiez que semblant de dormir. J'entends quand vos yeux sont ouverts. J'entends le bruit que font vos cils lorsqu'ils frottent l'oreiller. À quoi pensez-vous quand vous restez allongé sans dormir comme ça ? Qu'est-ce qui rend votre bouche si amère ? De quoi exactement m'accuse-t-on ?